Et bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la suite de notre let's play sur Luigi's Mansion 3. Et on venait de battre la DJ. Un truc là. Un truc caché. Pardon, faut juste appuyer sur X, mais tout à l'heure je me fais chier comme un con. Ah, d'accord. Une petite prise. Du coup, on va prendre le démon avec sa boîte de nuit. Il y a une porte cachée derrière, j'ai rien ça. Ouais, c'est ça là. On est deux de l'anglais, c'est là. Pardon. Bon, du coup. Est-ce qu'on peut se débrancher? Merci. Qu'est-ce que... Ok. On a encore découvert un truc. On va faire un truc caché encore là. Je vois. C'est pas que... Ah si, peut-être qu'il y a du matos là à droite. Ouais. On s'est un peu attaqué par les chauves-souris. Bon, enfin, en tout cas, on va aller voir là. Sur les côtés, ça nous a mis les marches d'escalier pour aller voir ce qu'il y a un petit peu sur les backstage, enfin sur les côtés quoi. Salut Atlantis et salut Valentin. Dans l'autre sens, ça donne quoi? D'accord, c'est pareil. Donc rien de bien exceptionnel. Rien d'exceptionnel non plus là-dessus. Donc là de ce côté, rien de fou. Très bien. On va aller voir de l'autre côté. Et dors en même temps, ça donne quoi? Allez, fonce! Alphonse! Ah,
on sait quand même pas tout péter non plus. Bon, alors voilà, c'est quoi ces trucs fragiles? On a quand même eu un casque. Hop. Allez, on va aller passer à la suite maintenant. Et on va arriver au dernier étage. Voilà. Donc je disais, on va aller au dernier étage. Prestement. L'ultime bouton. Donc on arrive dans la suite maîtresse cette fois-ci. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Voilà, on est au sommet de la tour. Alors on y va, Luigi. Tranquillement. Bon, c'est des trucs à ramener aussi, non ? L'ascenseur est parti. Ah, il y a une toile de projection. Oh, un petit film. Ah, je suis entouré d'incompétents. Luigi n'aurait jamais dû arriver si loin. Je crois que je ne vous ai sous-estimé, toi et ton professeur. Tu es arrivé jusqu'ici, je t'en félicite, mais cela ne veut pas dire que tu as gagné. En fait, tout cela prend une bonne tournure, Luigi. Prépare-toi à devenir le cadeau ultime. Le roi Bou sera si content de moi une fois que je t'aurai capturé. Et comme tu as eu la gentillesse de livrer directement à moi, il ne me reste plus qu'à t'emballer proprement. Le roi Bou voudra sans doute accrocher ton portrait à côté de celui-ci. Il faudra que je lui en parle. Mario. Luigi, si tu veux sauver Mario, il va falloir me retrouver. Tâche de ne pas t'évanouir avant, je t'attends avec impatience. Mario. Eh oui. Oh, rien. Luigi, tu as vu cela? C'était ton frère. Cela veut dire que la propriétaire de l'hôtel daigne enfin se montrer. L'heure de la confrontation est arrivée. Trouve-la et sauve Mario. Et là, moi, j'ai vu une
Araignée dorée. Attends. Et il y a plein d'araignées dorées là. Il y a plein de tuyaux aussi d'ailleurs. Il y a quoi dans ce sable? Jardin zen géant, mais qui a mal tourné en fait le truc. Oh. Mais comment je peux... Putain, mais c'est énorme ça. Mais du coup, comment je peux l'attraper? Parce que là, il y a une figurine du roi Bou. Des trucs d'or, attends. J'ai pas tout ramassé, en fait. Ah, il y a du golden là. Ça va être la fête là. Avec toutes ces araignées là. On va se faire des robignoles en or massif. Une porte. Alors, on a quoi ici? On a une salle. Je sais pas pourquoi je le sentais bien ce truc-là.
quoi, une porte sur la carte. Ça veut dire quoi. La porte est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a celui-là, il y a une cible. Hein. C'est carrément du tout cuit, on va dire. Oh, Luigi, il y a des lasers invisibles un peu de partout. Okay. Tu aurais marqué cette poudre sur le sol, je parie que tu pourrais la faire s'envoler dans une bourrasque. Ainsi, tu pourras brièvement voir l'emplacement des lasers. Ok. La bonne blague. Ah, il y a une clé. Ok. Donc, il faut que j'arrive à... Ok, j'ai compris. Continuer avec lui, ça craint pas grand chose en fait hein, qu'il soit. Allez. Vas-y mon gars, vas-y. La prudence. Ça est pas assez haute. Ah, mais quoi, faut vraiment que j'aille vraiment haut quoi. Et au bout, ça te rappelle DBZ parce qu'il y a Boubou dedans. Que je me gère pas les deux Luigi hein, parce que là disons quelle galère hein. Elle est encore un peu plus haut et hop une clé. La générosité de ces petites araignées, c'est quand même formidable. Ah.
foutre des grilles de partout, hein, du coup. Ah, ok, d'accord. La Légion. Reste encore. On est fait. L'homme de ménage. Ok, la clé est dans la baignoire. Il y a des lasers. Et si on faisait ça avec notre Luigi comme tout à l'heure? Ah. Attention, on est morflé. C'est sauvé de la vie. Allez, on va. Il y a pas un truc caché. Bonjour, voilà. Bon, j'en ventouse. Hop. Tirer la chasse d'eau aussi, non? Pas vraiment, non. Du coup, comment on peut accéder à la baignoire? Et hop, une clé de plus. Tiens, on peut sortir maintenant. Ouais.
toujours des poubelles maintenant. Alors donc là ça va être une constante, à chaque fois hein, les portes sont planquées. Donc le révéloscope, attrapage des petits machins. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un feu. Il y a un peu de sable par terre, mais c'est pas fou. Des lingots, je les avais pas vus. Et dans l'autre sens, là, le tourne-disque, ça donne go. Oh, ok. J'essaie de lui mettre dans la cour, ça fait rien. De planquer quelque part. Hein. Ok. D'accord, il y a Ah ouais. Ah ouais. Il y a plusieurs faces à ce truc. Par ici. C'est son fils. Ah oui, tu te congratuleras plus tard, il y a de l'argent à récupérer.
coup maintenant que... Attends, je sais pas la clé. Même le coffre d'ailleurs. Partout. Qu'est-ce qui s'est passé hein? Il a chou le zombard. Ce tableau en trompe-l'œil là qui te donne l'impression que t'es observé, je trouve ça. C'est bon. On a 6. Bah moi j'en aurais au moins eu un. Alors, la dernière pièce. Quoi? Quoi? Dernière clé qui est ici. Et on a des lasers. Punaise qui pique. C'est littéralement mission impossible le truc. Hein. Ah oui.
Voilà, merci. Extinction des feux. Pays calme. Ils sont généreux au niveau de la vie, hein, sur le jeu, c'est qui est cool. Ah oui, la petite souris, tu lui mets un petit coup de flash dans le nez. Impeccable. Hello, Mige. Ah merde, tu lag trop, fais chier. Bon, on a les quatre clés. Et on va dans la salle principal. Un truc chelou sur ce cadre. C'est quoi ce sac? Ok. Thank you.
Et voilà. Non, mais ils ont cru quoi, mec? Mais c'est vrai qu'ils sont quand même vachement généreux dans tout ce qui est. Il y avait un truc mais j'avais pas vu quoi. Donc ouais, j'étais en train de dire qu'il y a quand même beaucoup de vie qui est distribuée dans le jeu. Donc vraiment faut ouais, si tu es un peu trop bourrin sur les bords, c'est vrai qu'effectivement tu peux vite perdre. À l'inverse, si tu prends ton temps, ça peut le faire. Bon, voilà, on met les clés. Dans le bureau de la patronne. Eh bien, je serais presque admirative. Un pleurnichard comme toi arrivant si loin, tu es vraiment surprenant. Tu as mis mon hôtel à sac. Tu as aspiré tous mes sbires dans ton étrange appareil. Mais le pire dans tout ça, tu as osé t'en prendre à mon ectochat chéri. Cela n'aurait pas du tout dû se passer ainsi. Elle est moche, hein. Elle est très très moche. Tu n'étais pas censé t'enfuir comme un lâche devant le roi Bou. Il aurait été si fier de moi si tu n'étais pas gentiment laissé attraper. Mais non, il a fallu que tu prennes tes jambes à ton cou. Et moi, j'ai tout perdu par ta faute. Je vais m'occuper de toi une bonne fois pour toutes. Le roi Bou me fera à nouveau confiance et il verra que je suis indispensable. Tu es prêt, Luigi? Tâche de m'amuser. Merci, Bowser.
vraiment chaud. Faut arriver à gérer en haut et en bas. Ça, c'est la merde. Allez, on y retourne. Ça ne sert à rien. Ça l'amuse, hein. Ah, ça l'amuse. Ok, balance de la flotte aussi. Ce bruit de vie qui baisse, c'est très 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 chiant.
porte de la ville d'Etrin. Je vais l'avoir. Non mais merde. C'est con, c'est du gaspillage un petit peu là, mais on va finir par avoir quelque chose. Pas évident ce boss, hein. Putain, on sent que ça touche à la fin. Tenancière est attrapée. Et paf, c'est dans la boîte.
Ah, vache. Et bah du coup on va pouvoir sauver Mario. Et j'avais pas dit que le dernier ça serait la princesse Peach. J'en étais sûr. Let's go. Come on. Oh.